bonjour, bonsoir et bienvenue dans la cinquième et dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe critiquait la décision BCED qui demandait pour KPA retirer la course électorale. Laurent Salvador Lamothe considérait la décision BCED comme une violation de droit comme candidat. Sous initiative Famiola, un atelier travail organisé jeudi vendredi 5 juin 2015 lan à candidat femme qui pral participer dans l'élection législative. Une activité qui visait sensibiliser femme yo sous rôle yo pral gen pou yo jouer les yo rivé dans parlement haïtien. Organisation 4 à 5 juin 2015 lan 21e édition livre en folie. Plusieurs écrivains haïtiens, hommes politiques, étudiants, élèves l'école te fait déplacement pour participer à la manifestation littéraire. Bonsoir, good élèves. Vous êtes à vos sous-sus, calcium, vitamine et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation commence à Yago. Des bananes, abricots, chocolat, vanille. Les fraises, les framboises, chargées de vitamines. Yago. Lia c'est contexte tout pays ya. Font y prochain tendez sa princesse va dire là. Lia contexte. C'est serviette tout sauter pompé, serviette lia a pété jam, ou mettre danser, bien fait lia a bien. Lia c'est la qualité avec lia gadou papier saleté. Lia mettez ma force, li moins qu'à mettre tout temps. Potex lia fait me sentir bon, moi je li acheter tout côté. Lia fait qu'un content, avec lia moins au bilan. Pas besoin à checker tout temps, à lia mon sécurité. Je fais confiance à lia, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poté pour nous. Oui. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. Oh. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Yes. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Sans attendre à mon compère. Unibank tout côté. Unibank pas pour dormir. Toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté, Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katila, si on y paraît, bay empreinte digitale ou pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service à bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Tout côté, Unibank tout côté, yes! Et tout côté, Unibank tout côté, yes, maman! Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 2299-2020. Hey, mes nouvelles là! Pour rêver à tourner en réalité dans sa fait la santé, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand. Sauti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon traitement dans la maladie. Sa yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleurs rhumatismes et en pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider ou parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Delma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 0220 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sous www.medecinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileorel@commercial.gmail.com. Ak Clinique Fertile Aurel, toute maladie sa yo kaba naturellement. En
Ancien premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte critiqué décision BCD prend qui mandait pour KPA écarter la course électorale là. Selon Laurent Salvador Lamotte, décision BCDA c'est un abus avec violation droit comme candidat. Laurent Salvador Lamotte a porté plus précision dans micro Wilkline Eliassin avec Muller Baptiste. Il a fait un jeune garçon qui pas mal derrière l'autre. Et pour continuer le travail, dans ce sens où tu as travaillé là, pour continuer le combat que tu as fait contre le grand coup, contre la misère, contre la poussière, marcher bien à terre. C'est combat ça que nous voulons mener nous-mêmes. Contre l'insécurité. Nous devons continuer à mener le combat. Contre dollars à fonder, qui a fait une pipe. Vous continuez vous même votre kidnapping. Donc, si que décision que BCD a fait pour nous était égale pour tout le monde, d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire que tout ancien ministre du gouvernement, vous voulez vous passer, et de son crème, vous voulez bloquer, il est le nom de la mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de pas normal. Vous n'avez rien contre décision qui prend et application ordonnance de juge référé. Parce que un juge électoral n'a pas qu'à refuser pour mettre en application décision au tribunal de loi commune qui constatait urgence et impossibilité pour remplir actuellement formalité des charges et décret électoral qui reconnaît tout. Donc, malgré que l'ordonnance référée, je mette en application et je respecte par BCEL. Et c'est devant BCEL que nous voyons aller. Parce que nous sommes devant BCED, nous avons devant BCEL, nous avons devant Douane. Et tout, là, les gens font affaire nous, nous faisons affaire nous de manière correcte. Moi, je ne suis pas un juriste, mais là, moi, justice aussi claire que ça, moi, je suis tenu pour moi-même personnellement parler avec le peuple haïtien pour me dénoncer l'injustice, pour me dénoncer l'abus que a fait, pour me dénoncer tout, l'arbitraire et la méchanceté. Parce que c'est méchanceté ça. Avocat, vous allez faire une présentation qui va montrer point par point, qui va rentrer dans la question, qui va faire une comparaison de toute ordonnance et puis nous-mêmes, les haïtiens, qui attendent dans la radio, et je remercie toute la radio qui mettait nous en direct aujourd'hui. Parce que parole là, il faut parler, il faut que nous attendions. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien lorsque nous travaillons. Travail pour les haïtiens. Et c'est ça que nous faisons pendant 31 mois. Vous m'avez. Avocat Cap Defend, ancien premier ministre haïtien, Jacques Lochard, Pierre-Michel Bouinache, critiquer contradiction et fait connaître qui gagne dans dossier ancien chef primatia selon yo même BCDA pas traité même gens à dossier ancien ministre affaires sociales ak travail là madame Josepha Gauthier avocat yo mandé pour BCN annuler décision BCD qui mandé pour KPA retirer Laurent Salvador Lamotte dans course électorale là déclaration youn après l'autre maître Jacques Lochard avec Pierre Michel Brunache qui était dans micro radio télé éclair. Tribunal l'a dit, nous dispenser en vertu de ordonnance juste référée, nous dispenser M. Laurent Salvador Lamotte et Maître Thierry Mayapol et in extenso Mme Josepha Raymond Gauthier de formalité qui relative à la décharge. Parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas gagné. Et si nous n'avons pas gagné, si nous n'avons pas gagné, donc les dispensés de comprenez bien. Autrement dit, M. Laurent Salvador Lamotte, en principe, dit en principe, pas en fait, t'a dispensé de formalité d'échange là, parce que il y a ordonné un juge référé dans Méni
qui dit que il est dans les possibilités pour l'obtenir de certificat de décharge. Et donc, en vertu de théorie, comme elle était impossible là, il fait obligation à conseil électoral provisoire pour inscrire dans la liste candidat à lui. Donc, on va comprendre, même motif de contestation, même tribunal, même contestataire, deux décisions totalement opposées, il y a en faveur d'un candidat qui ne peut pas gagner en donnant un juge référé dans même, mais il y a demandé pour l'appliquer par extension à lui-même. Alors que l'autre qui gagne, non, en même temps que vous reconnaître que les dispensés ou les formalités des chargeables, vous refusez, inscrire dans la liste candidat. Et encore une fois, ça qui est important dans tout ça, c'est qu'on ait motivation, M. Sago, qui va vous faire. Mais en 2015, le juge des référés du tribunal de première instance de Port-au-Prince a constaté que le citoyen Laurent Salvador Lamotte s'est conformé aux exigences de la loi. Il s'est conformé aux exigences de la loi en sollicitant à trois reprises par lettres adressées à M. Fritz Robert Saint-Paul, président de la CSCCA, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cadre de justice très grave que nous avons confronté là. Côté, lorsque il y a un complot, lorsque il y a un cabal, lorsque il y a un bride, lorsque il y a une pression, eh bien, le mot du droit est dit. C'est le cas, madame, c'est pas Coutier. Mais lorsque il y a un complot, lorsque il y a un cabal, lorsque il y a toute manœuvre déloyale qu'a faite pour retirer un candidat d'un pouce électoral là, nous voyons brusquement tout juge fait du tête. Donc, c'est au nom de la justice, au nom de l'équité, que nous demandons pour que le CVDN, eh bien, arrive une décision qui dépend dans le CVDA, et puis pour le conseil électoral là, eh bien, confirmer Laurent Salvador Lamotte comme président de la présidence, et puis pour nous toujours dans la tête, nous, c'est le peuple qui va le pouvoir, c'est le peuple qui va le carré. Donc, si nous avons des questions, avocat et même quand c'est dans le la mode, et bien disposé à répondre à la question à quelques gens rapidement. Plateforme politique paysan dénonce décision BCED à prendre pour retirer Laurent Salvador Lamotte dans la course électorale là. Dirigeant plateforme politique là qui exprimait inquiétude face à déroulement processus électoral là, dénonce comportement membre conseil électoral yo li fait connaître qui pas manifesté aucune volonté pour organiser élection dans pays. Ol di Valentin c'est une responsable plateforme politique paysan qui était dans micro Radio Télé Éclair. Public. Et c'est la Cour supérieure des comptes avec le Parlement qui vient pour bailler moun sa yo pièce si là. Comme Parlement dysfonctionnel, c'est-à-dire pas grand qu'une possibilité pour commission bicamérale, chambre sénat, chambre député avec sénat, exécutif là, te gen doit prendre une décision, li prend un décret pour faciliter tout candidat sa yo à participer dans l'élection. Plateforme paysan a demandé membre conseil électoral provisoire pour ressaisir yo pressé accepter candidat pour poste président plateforme paysan monsieur Laurent Salvador Lamotte qui même Jean ak plusieurs autres ministres yo nan même situation et gen nan ministre que yo accepté qui pas même gen décision judiciaire dans dossier yo n'a demandé membre KEPA pas prendre chance jouer ak disposition judiciaire à disposition judiciaire qui prend en faveur un candidat. KEP ça li montrer li pas qu'à faire élection libre honnête sans exclusion et n'a demandé conseiller ça yo tout plutôt yo tout la ko yo au lieu yo quitter ce peuple là qui vient pousser do yo mettre yo de yo comportement membre conseil électoral ça yo montrer que élection dans pays ça pas pour demain si Dieu veut. Peuple a pas accepté coup d'état électoral KEP et Nehemi Opon a préparé. Et n'a dit population que nous gain pile information sur ça qui a passé dans conseil Nehemi Opon et dans moment opportun n'a bien pour mettre peuple au courant de plan que moun sa ou gagné pour yo passer votre peuple en bas pied. Yon décision judiciaire gen en pile valet si tout dans pays d'Haïti côté tout moun ap cléoné
fait pour gagner état de droit. Dernier résultat Champouel, Néhémie au pont, saute publié, li montre tout le monde à clé, malfecteur qui n'a pas été, yo pas voulu gagner élection dans le pays. Et n'a préparé recours nous devant BCN pendant n'a prêté mobilisé pour nous défendre droit nous. Yon manière pour nous empêcher à l'oufasa yo, vann élection an à client yo. Si candidat Néhémie au pont était fort comme ça, pour qui raison pour ab barré Monsieur Laurent Salvador Lamotte, candidat plateforme paysan? Réponse ça, c'est sous béton en nous va le joindre. C'est peuple qui doit bailler pouvoir. C'est pas palais national ni conseiller électoral méchant qui pourra bailler, qui pourra décider qui candidat qui pour accepter dans poste président. Plateforme paysan, li gagne Laurent Salvador Lamotte comme candidat pour poste président. Organisation Femme Yola organise yon atelier travail à candidat femme qui pral participer dans prochaine élection législative yo journée vendredi 5 juin 2015 là dans Port-au-Prince. Activité ça qui te réuni plusieurs candidats femmes dans différents partis politiques visé informer mesdames yo sur responsabilité yo pral gagner dans parlement. Dans intervention, la directrice exécutive Famiola, Lisa François, fait connaître journée travail ça permettre mesdames yo réfléchir sur différents problèmes y a confronté dans société a et puis joindre information sur responsabilité ak différentes tâches yo parlementaire. Plus détails ak directrice exécutive Famiola, Lisa François qui était dans micro, Garlins lui avec Mackenson registre. C'est objectif grand parlementaire, c'est permettre mesdames ça, mesdames ouais ça. Qui va aller dans l'élection. Et tant qu'on connaît lui, qui rencontre un paquet de problèmes. Et une qui est important, c'est que toutes les dames, c'est des mesdames qui sont agréées par le CEP. Donc c'est des gens qui vont aller dans l'élection. Donc permettre de rencontrer, permettre de réfléchir, permettre de poser ensemble, chercher ensemble réponse à ensemble de problèmes qui ont rencontré dans ce processus-là. Particulièrement, il y a un problème qui est plus important, c'est le problème de l'argent. Et tant qu'on connaît l'élection, c'est comme. Et franchement, il y a eu des partis. En fait, nous, partis, nous parlons de moyens dans le monde pour nous permettre d'accompagner les dames salaires jusqu'au bout de notre processus. Et gagner pour aller dans l'autre département, aller faire même rencontre des chanteurs, justement, dans l'autre département. Pardon? Et tout invité là. Pour le moment, nous avons 35. Donc il y a une dizaine qui a venu en une journée qui dénote engagement pour aller dans l'autre département, aller faire même rencontre des chanteurs, justement, dans l'autre département. Pardon? Et tout invité là. Pour le moment, nous avons 35. Donc il y a une dizaine qui a venu en une journée qui dénote engagement. Nous sentons dans toute partie qui est dans le processus là et qui présente les fonds. Plusieurs candidats qui participaient dans l'atelier travail ça félicité l'initiative là pendant yo réaffirmé détermination yo gagné pour assumer responsabilité yo comme candidat. N'a pas évité au suivre une après l'autre déclaration Evelyne Cheron candidat pour poste sénateur l'Ouest ak Marie-Lyne Sapierre pour poste député dans Jérémy qui était dans micro Garlins lui avec Mackenson registre. Et nous connaissons aux séances de formation et d'information qu'a fait pour parlementaires. Donc moi-même, je suis venu là parce que je suis venu côté expérience femme tout pour eux. Et je suis venu tout rencontrer tout comme qu'on connaît, tout le monde qui parle tout, femmes qui parlent candidat là et qui parle dans le parlement avec d'arriver vraiment rencontrer eux et ouais et parler d'expérience. Et comme moi dis nous, matin suis très occupé, je tiens à finir parce que je suis rencontrer votre jeune yo et m'a demandé aussi pour prendre toute sa capture là pour prendre et leur arriver me demander appliquer lui parce que c'est ça que nous besoin des hommes et des femmes capables encore le monde et des monde qui pourra venir pour vraiment faire travail peuple là qui pas venir pour négocier. C'est ça que nous attendons de eux et me finir surtout pour me faire connaître vraiment partie ça. Parce que très souvent, pour faire des négociations cap parler, bah, ça dit, pour finir dans le pays, et moi-même, je encourager tout jeune, que le garçon, que le fille, cap rentrer, qui veut parlementaire, et bien faut venir, pour venir faire vraiment travail pays pour parler de intérêt national, pour vous pour intérêt national et non pour intérêt de clan ou bien pour intérêt parti. On voit que pour ça va dans le vieux et
madame Chiron. Il pas bon vœu pieux parce que m'a gommé pour lui, m'étais déjà fait pendant 2 ans, m'a gommé pour lui et m'a privé. Me font livre, me parler de lui, me donner courage pour me dénoncer lui, m'a privé. À la députation pour Jérémy. Donc c'est ma première participation aux élections. Donc moi saluer l'initiative ça a fait mieux l'affaire et que son bagage moi lutter pour lui en pile. Pour formation au monde qui prend le Parlement. Parce que c'est un bail qui est assez important pour le pays. Hein, que nous-mêmes, comme quatrième pouvoir la presse, que pour nous aider l'initiative, ça retour. Parce que faut nous suspendre, encourager la médiocrité. Au monde qui a entré dans le Parlement, le développement pays a commencé à partir de là. Faut nous connaître qui ça l'a entré. Faut nous connaître qui ça la fonction parlementaire. Qui ça, sous qui loi le travail, sous qui ça le défendre. Parce qu'on aura besoin de la participation de tous pour le pays ça aller vraiment de l'avant. Pour femme arriver à tel quota qui ont mettait en limite qu'on y a soumis et que nous-mêmes initiative là c'est arrivé 52% 54% pourquoi pas au Parlement pour initiative pour développement pays parce que nous connaît qui ça femme vaut au niveau de faire bagaille au marché. L'autre information, commémoration Journée internationale environnement vendredi 5 juin 2015 là. Dans l'occasion, ancien ministre environnement Jacques Thomas dit qu'il constatait qu'il y a un pile travail qui fait dans quatre batailles pour combattre déforestation dans le pays. Il y a une série de progrès selon lui-même qui lié à assainissement aérien. Il était lancé pendant passage li dans tête ministère environnement. Jacques Thomas, c'est ancien ministre environnement qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Donc là, nous t'ai choisi pour que nous t'ai fait expérience pilote ça. Effectivement, depuis le mois de novembre dernier, tu as gagné une première enquête qui t'a menée dans la zone d'Hélice qui t'a montré une poussée très importante de moringa qui t'est sortie. Et à ma grande satisfaction, sous enquête, certains journalistes qui ont gagné dans la chaîne des Mateux il y a peut-être quelques jours, à la veille 5 juin 2015, pour y'a ouais, qui s'est passé en termes de résultats sur l'espace aérien. Que le président a été lancé 5 juin 2014 là, et que c'est moi qui en charge de l'activité ça. Eh bien, nous voyons que il y a des zones qui impressionnant tellement qu'on y en là, il y a 6 pieds bois qui a poussé. Ça montre nous que dans le pays d'Haïti, il y a espoir pour nous refaire couverture végétale. Haïti fait face à des problèmes environnementaux certes, insalubrité, problème d'assainissement, mais il y a un problème qui est plus important, surtout face à la situation de fragilité, ça là, côté de l'eau descendre, c'est problème de déforestation, problème de déboisement. Nous avons dit que son problème qui touchait tous les secteurs, parce que avec déboisement, tout effort infrastructure qu'a fait, l'hôpital, l'école, tout a détruit chaque fois que il y a des inondations. Et qui s'est passé? Non seulement nous gagnons un système de surveillance qui est antigène, qui est déficient, mais également nous retirer plus que nous mettons. Donc, c'est peut-être ça. Moi-même, je suis toujours prôné une campagne agressive de reboisement chaque année, pour nous commencer à inverser la vapeur. Effectivement, résultat en semences aériennes a commencé visible depuis novembre. Là, c'est avec yeux paillot que journalistes yo wè ça qui a passé. Bien de côté, pied flamboyant a poussé à gogo. Là encore, tu as gagné, je ne vais pas dire des mauvaises langues, mais peut-être des langues qui peut-être pas réfléchies. Côté, tu as dit que nous t'es fait un semencement dans une période sèche ou une période qui n'est pas adéquate. Alors que l'étude en semencement aérien, c'est une étude qui était excessivement bien poussée. C'est une étude qui était bien faite. Avec des expérimentés, avec brigade cubaine spécialiste qui était là. Yo. Et trois cas espèces que nous avons plantées, que nous avons cimées à travers à partir de ces avions, c'est des espèces qui là pour yo survivre toute qualité période jusqu'à ce que yo joue une période favorable pour yo germer. Et c'est là, par exemple, graines flamboyant, par exemple, li fait li une écorce qui est très dure. Donc, il doit prendre 1 an, 2 ans avant de commencer à pousser. À tel point que vous avez pour planter, vous obligez de bouillir, soulever pour pousser plus rapide. Et là, nous-mêmes, nous aussi, nous avons gardé les résultats et nous avons l'image. Donc, avec patience,
pays ça, situation environnementale, surtout au niveau forestier, est capable de changer. Nous qu'à changer donne. Et j'aime te dire, slogan c'est un haïtien au pied bois. Un haïtien au pied bois, c'est un haïtien en conscience, un haïtien en engagement. Moi-même, moi t'ai toujours demandé que l'éducation environnementale là, prône dans tous les secteurs de la vie nationale, toute instance. Moi pas là comme ministre environnement, mais moi là comme citoyen haïtien. Et moi ferme le devoir de tout côté moi ouais, mais mon petit monde qui mange aux oranges et me demande tout le monde pour te coller. Je vais me faire rappel ça jeudi 5 juin. Que même mon petit monde qui mange aux oranges au lieu de jeter des graines oranges là, prendre cherche un petit mamie, cherche un petit pojuna, plante-le, mettez-le dans terre, mettez-le dans petit pois, tendez-le germer et puis mettez-le en côté. Là ça la vient créer ça y aurait les haïtiens pied bois, haïtiens en confiance. Parce que là problème environnemental là, li certes vraiment accru, mais nous-mêmes si chaque monde nous mettait la main à la pâte, que ou non instance étatique, que ou non instance privée, que ou sont haïtiens un citoyen concerné, non concerné, quel que soit genre, mais depuis ou vivre sous terre d'Haïti ou impliqué dans protection environnement. École sûre, c'est non un nouveau projet Plan Haïti lancé journée vendredi 5 juin 2015 là dans Pétionville. Nouveau projet ça cap touché 3 départements tant que l'Ouest, Nord-Est et Sud-Est, visé à améliorer capacité élève yo dans ça qui gain rapport à question risque ak desas. Projet sa a kap koute 1 million dollars américains ap exécuté sous une période 3 l'année. Marie-Rose Magali Gerville, c'est conseiller technique en éducation Plan Haïtien qui tenait micro Radio Télé Éclair. Un projet qui tourne autour de 7 résultats. Et là, je vais vous présenter les 4 premiers parce que le 5e est lié à l'évaluation. Le résultat 1 stipule que les enfants ont accès à un environnement d'apprentissage plus sûr et adapté pour personnes à mobilité réduite. Et les activités relatives aux résultats sont, par exemple, l'évaluation technique. Il y a une première évaluation pour déterminer les 30 écoles, mais la première phase du projet consistera en une évaluation plus technique pour identifier les interventions à faire. Et après cette évaluation, nous aurons à élaborer notre plan d'action en fonction de la première année du projet, parce que c'est un projet qui s'échelonne sur 3 ans. Et comme troisième activité, nous aurons à faire des travaux de renforcement des infrastructures, c'est-à-dire améliorer les conditions sanitaires, et améliorer les installations pour la collecte d'eau, placer des rampes d'accessibilité, ajouter des portes et refaire les toitures, etc. Et comme cible, c'est les 30 écoles qui sont déjà soumises à une première opération de choix et la liste est toujours flexible pour les départements du Sud-Est et du Nord-Est, mais pour l'Ouest, on est censé à point avec les 10 écoles qui sont choisies. Alors, c'est 30 écoles à raison de 10 écoles par département, pour les 3 départements ciblés. Maintenant, nous passons au résultat 2. Et le résultat 2 vise une meilleure connaissance des risques de catastrophe et des stratégies de gestion des risques dans les écoles et les communautés. Comme activité, nous prévoyons de créer des comités scolaires de gestion de risques et de désastres dans chaque école concernée et de faire une analyse de vulnérabilité et de capacité et la production de cartes de risque dans chaque école, de développer des plans de préparation aux désastres dans les écoles, d'organiser des sessions de formation pour les comités scolaires GRD sur plusieurs modules. Journal Le Nouvel Liste, dans tête collée avec Unibank, organisé 4 à 5 juin 2015 l'an, 21e édition Livre en folie dans le parc historique Canasuc. Divers écrivains, hommes politiques, étudiants, élèves l'école, te fait déplacement pour participer à la manifestation littéraire.
Plusieurs écrivains sur la nouvelle radio télé éclair ont questionné, exprimé satisfaction yo pour initiative ça qui a fait promotion pour écrivains haïtiens. Gary Victor, Sito Kave, Gérard Goug, ces trois noms écrivains haïtiens qui ont participé dans la 21e édition Livre en folie qui était dans le micro radio télé éclair. Je trouve que son édition qui marche très bien, il fait un pile progrès dans l'organisation, toujours un pile monde, toujours un même intérêt. Et lecteur là, auteur là, ça permet auteur de rencontrer lecteur. Donc jusqu'à présent, je trouve que la marche très bien. Tu es en couple presque plus de 100 auteurs qu'il a aujourd'hui. Il y a un nouveau livre qui est en signature, qui est les dossiers interdits, qui sont compilations de textes que, qui publiés déjà dans Ticket Magazine. Son série de textes qui publié dans Ticket Magazine, donc son compilation, donc lecteur a passé le plus haut sac là. Par cette fête populaire, ça dépend de cette fête. Que voulez-vous, chef d'État, ministre ou autre? Livre en folie, c'est un événement planétaire extraordinaire, mais haïtien. Merci beaucoup. Un Haïti qui est dévasté, mais qui doit renaître de ses cendres. Mais quand même, alors, pour lui, il n'y a pas de français avec nous. Politique, mais juridique. Juridique, sur ce point. Quand le printemps charmant, il s'agit du printemps politique, quand le printemps charmant rejardira la terre haïtienne et chassera de nos cœurs le deuil et les soucis, tous les enfants de ce pays, haïtiennes et haïtiens, se donneront la main pour dire vive Haïti, vive Haïti, vive Haïti. Eh bien, moi, très bien, je trouve que son gros initiative, son belle initiative, et que chaque année, il y a plus de monde qui vient la donner, c'est au lieu de rencontres autour du livre, et parce que le livre est de plus en plus important. Le livre là, contrairement à ça, en pile monde n'a qu'à penser, je dis c'est peut-être la fin du livre, mais non, que le livre là toujours là. Peut-être pas bien livre sur support papier, mais le livre va toujours exister. Son outil de réflexion, son outil de plaisir, de loisir, ou appelons un bel roman, ça permet de voyager. Il y a des livres de science qui permettent d'apprendre un peu de bagailles. Donc le livre est important, son outil de travail lié, son fenêtre sur la vie, sur le monde. Et que du fait que livre folie met des livres là à l'honneur, et que tant de monde réunit autour de l'événement ça, moi c'est que son bel espoir au pays. Bon Demain Haïti, c'est non yon association qui travaille dans le domaine recyclage déchets plastiques ak froum et puis transformer yo en zèv artisanal sous forme rideau, valise, balai ak poubelle depuis environ 10 l'année. Dans une interview président Bon Demain Haïti a Gino Lormeus fait konnen association engagé dans bataille contre phénomène fatra dans pays a pendant li annoncé une série séance formation pour sensibiliser population sous problème ak danger déchets plastiques yo représenté dans société a. Gino Lormeus, c'est président Bon Demain Haïti qui était dans micro radio télé éclair. Nous sommes une association jeune qui travaille sur différents aspects social. Nous entrons en fond dans le recyclage qui ça vraiment nous vraiment enveloppé. Nous vraiment travaillons sur lui à fond pour nous capables bailler en pourcentage de nous-mêmes à population avec besoin communauté. Je parle à son bailler une réponse à besoin a besoin dans nos population parce que nous avons gardé nous déchets plastiques qui a ben pile problème dans Trégo et nous gain la pile pas tombe en pile Trégo pas le boucher. Nous commencer à travailler et ça fait longtemps, ça fait depuis 4 ans que nous travaillons à fond dans le recyclage. Kounia dans période ça là nous décidé vraiment pendant toute période vacances nous va faire formation sur recyclage, parler avec les jeunes, expliquer les problèmes qui gagnent et qui importance Fatra, comment on est capable de diviser Fatra et comment on est capable d'utiliser Fatra, même Fatra que vous avez encore utilisé pour rendre la communauté à un grand service à la communauté. Bon, pour pendant la période, nous avons deux options. Nous avons deux options qui sont formation, c'est la première période, nous, c'est la première option nous, pour, pendant toute la période de vacances. Et ça nous a fait actuellement, nous avons fait Bali parce que le pays a mérité propreté. Il y a un peu de côté dans le quartier, dans la zone
nous méritons propreté. Dit propreté à concerner nous-mêmes qui vivons dans le pays, dans le pays, dans le quartier, dans la communauté. Pour ça, bon ami Haïti décide de louer, on va aller en pit à côté 8$, 7$ dollars en arrière. Nous-mêmes nous faisons, dans le gomme là, nous avons un théâtre de café 1300 balles chaque mois. Et nous vendons balle nous à 30 gouttes seulement. Et ça, nous pas dit au monde que nous faisons business, c'est pas business pour nous à faire. Nous même nous essayons de faire force courage nous avec des jeunes nous connecter, expliquer, sensibiliser, montrer l'importance sur ici qu'à jamais. Faut que même nous avons un petit bail qui entre, faut que nous travaillons, nous avons un manger, nous avons acheté un bail. Pour ça, nous décidons de nous dire que nous vendons balle à 30 gouttes. Divers habitants qui vivent dans la commune Grand Gouave dénoncent les actes persécution et fait connaître qu'ils ont subi en bas main un groupe individu qui est en tête de notaire Philomis Guerrier. Habitants ont demandé pour la justice prendre toute disposition pour garantir la sécurité dans la commune. Mais c'est Nicolas, c'est un habitant Grand Gouave qui est dans le micro Radio Télé Éclair. Nous venons estimer que nous ne sommes pas capables de faire des dossiers pour nous. Nous venons estimer que nous ne sommes pas capables de supporter des choses. Donc nous sommes obligés de prendre la presse. Nous sommes obligés de prendre la presse pour nous et pour nous lancer appel avec l'autorité et dans le pays, pour nous lancer appel avec tout concerné dans le pays, pour être capable de venir au secours. Et son dossier qui gagne justice là-dedans, que justice rentre, nous n'avons pas de problème, justice rentre, que affaire a passé dans le paquet, que affaire a passé côté pour le passé et pour affaire a plaider. Donc nous avons dit, nous venons par la conférence, c'est suite, mardi, et qui s'est passé là, tu gagné réellement en machine sans plaque. Avec trois bandits et trois qui nous capables de trois bandits qui te viennent faire kidnapping sous moi, sous famille moi et malheureusement ils ont arrivé, ils ont pas de jeune moi, ils ont pas de jeune frère moi, mais ils ont été jeune en neveu moi, ils ont tenté enlever même si ils ont couru. Et par la suite, dans mercredi soir, même machine ça a passé dans un premier temps tout de suite, machine la police passait de elle et comme zone dans son zone qui vient va et vient, mon a marché, la police a tiré rasol. La police a raté brisé et puis nous-mêmes, je ne le dis, nous obligés de venir porter dossier dans la presse, nous obligés de venir prendre recours à la presse et lancer appel avec tout concerné dans le pays parce que madame a décidé. Or, il dit tel, c'est pour lui, il dit c'est vendre, nous te vendre. Donc, nous n'avons pas de problème, il faut qu'il y ait la justice. Or, nous nous disons ça et nous redis encore et nous ne pas prendre le maon. Quelqu'un soit ça à faire là pour le maon, nous ne pas prendre le maon. Nous voulons que justice rende dans le dossier. Et c'est justice qui prend dans le dossier. Nous prenons pour rendre dans le dossier. Et ça fait, nous sommes obligés de lancer appel avec l'autorité concernée, ministre de la justice, chef de la police, et pour nous dire mot par dans le dossier. Ça. Voilà, cela nous mettait fin à la dernière sortie du journal pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Le ministre haïtien Laurent Salvador Lamothe critiqué la décision BCED qui demandait pour KEPA retirer la course électorale. Laurent Salvador Lamothe considérait la décision BCED comme une violation de droit comme candidat. Sous l'initiative Famiola, un atelier travail organisé jeudi vendredi 5 juin 2015 l'an à candidat femme qui pral participer dans l'élection législative. Yon activité qui visait sensibiliser femmes yo sou wòl yo pral gen pou yo jwè lè yo rive nan parlement haïtien. Organisation 4 ak 5 juin 2015 lan 21e édition livre en folie, plusieurs écrivains haïtiens, hommes politiques, étudiants, élèves l'école te fait déplacement pour t'al participer nan manifestation littéraire sa. Ces principales informations qui t'ap dominé actualité a rete branché pour reste programmation télévision. Bon week-end.